Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 290 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Plight of the Zombie. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça parle de zombies. Déjà, bon, et ben on va voilà, c'est play parce que ça a pas l'air. Est-ce que je peux jouer à la manette? Ouais, mal barré pour l'instant. Non, je peux pas choisir. Alors, on va choisir. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a des cerveaux à collectionner. Downtown Pottsburg. C'est, ils ont tous des noms à la con, les machins. Pottsburg. Et ben, 0 sur 30 en Pottsburg. Oulala, c'est du puzzle. Ou on dirait du puzzle. Alors, on n'a pas de cerveau sur celui-là. C'est parti. This is Craig. Ils sont un petit peu trop forts. Hop. Il va manger. Donc Craig sort pour aller au burger. Il cherche à manger. Il y a des trous dans... Il y a des trous dans le... Voilà. Il s'est fait rouler dessus, Craig. Et Craig est un zombie. Alors, get to know your zombie. Craig Creeper, Sagittarius, had a goldfish named Tony. Ok, blablabla. Ok, donc on déplace le zombie comme ça. D'accord, j'ai deux zombies. Your final score, 7000. Ok. Donc j'ai un zombie, il faut qu'il mange des cerveaux. Et qu'il... Qu'il fasse je sais pas quoi. Ok. Le but c'est d'être un zombie. Voilà, et c'est en mode puzzle, je connaissais pas ce style. Adjust Craig Path by drawing the endpoint. Alors, je vois pas à quoi ça sert, ça. À quoi? Ah merde, il y en a un deuxième. Il y en a un là. J'avais pas vu. J'étais en train de me dire pourquoi j'ai pas terminé le niveau. Ah putain oui, ça fait vraiment, vraiment le chemin qu'on lui a donné de faire. Ok, j'ai trois zombies. Ok, j'ai gagné mes trois cerveaux. Eh ben c'est bien. On va essayer de voir comment ça se passe. Et on va venir bouffer lui. Normalement, ça devrait le faire. Ok. Eh ben, c'est sympa. Je connaissais pas ce style de jeu. Alors on est sur du petit jeu, hein. Finalement, on est sur du peu... Oh putain. Hein?
Il s'est fait démonter le slime. Hop là, on l'a bouffé. Et j'ai eu 3 cerveaux, voilà. Allez, on continue. Allez, on est fou, on est fou. Alors, on va là, ensuite on va là, et on va là, et on lui bouffe le... Ah, il suffit d'ajuster là. La fin. Allez, on va lui bouffer, on va le bouffer, on va le bouffer. Bien. Et voilà. Ouh. 10, 20, 30. Donc je gagne plein de machins. Je pense que ça va être de plus en plus hardcore. Ok. Ok, je me suis fait tirer dessus, c'est pas bien du tout, mais c'est pas grave. Allez, 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 allez-y, allez-y. Au moment où il s'en va en plus. Oh, nickel, 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 nickel. Et bouf. Voilà. Je me suis fait tirer dessus, mais au final, j'ai quand même mes personnages. Alors, le but, c'est que je passe ici et ici. Alors le but c'est quoi? C'est d'en sacrifier un. Ah merde! J'ai pas eu le cerveau. Ah putain, regardez Shinsa qui apparaît en bas à droite. Hein. Espèce de fils de Shinsa. Alors bonjour tout le monde. J'espère que tu vas pas dire des conneries, Shinsa. Sinon, je vais effacer tes messages au montage. Et non, il nous fait juste des petites blagounettes, Nicolas. Il s'appelle Nicolas. Alors, où suis-je? Que fais-je? Qu'est-ce que je vais faire? On va aller bouffer lui. On va faire ça, ça. Et ensuite, on va aller chercher lui, 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 lui. Bavage dans 3 quarts d'heure, 10 minutes de vidéo suffit. Voilà, et bim, il est con. Il me les fallait tous pour le bouffer. Ah, j'étais obligé de le... voilà. Donc, voilà. Voilà où les stratégies de ce jeu, il faut... Quitte à les sacrifier, il faut au moins que j'arrive à bouffer l'autre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Lui me permet de passer là, qui me permet de passer là. Lui il va lui tirer 2 fois dessus, donc c'est lui qui va le bouffer. Hop, ça me fait un deuxième cerveau. Ce qui me permet d'aller passer là-bas et en même temps de passer là-bas. Donc,
Lui, ça l'oblige à recharger ses deux cartouches un peu lentement. Hop. Ici, j'ai fait deux cerveaux. Un cerveau, deux cerveaux et trois cerveaux. Et les mecs ils se retournent pas, et tant mieux, j'ai envie de dire. Et on va se pas aller plus loin. Voilà, j'ai fait tous les niveaux du premier monde. Hop, Plagues of the Zombie. On va s'arrêter là, c'est un petit jeu, il y a sûrement d'autres obstacles et d'autres catégories de. Enfin, d'autres enchaînements de choses à voir. Mais je vous laisserai le regarder ensemble, parce qu'en plus on m'a fait la remarque qu'il fallait que je fasse des vidéos qui sont pas trop longues. Alors j'essaye de vous faire des contenus qui sont pas 20 minutes, après ça dépend, voilà, si on a fait le tour du jeu, ça suffit. Je vois pas l'intérêt non plus pour vous de regarder plus. Si le jeu vous intéresse, bah il vous aura intéressé dès le début quoi. Voilà, mon but c'est vraiment de vous faire découvrir des jeux et au passage de vous faire jouer à des jeux que vous aimerez et que vous ne connaissiez pas. Si vous aimez pas, c'est pas la peine d'aller jusqu'à la fin de la vidéo. Après, ça peut être intéressant juste pour moi, mais bon, comme je suis pas un super bout en train non plus, voilà. Disons que ça peut être un peu chiant. Allez, j'arrête de me lamenter sur mon sort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain jeu à découvrir. Celui-là est plutôt sympa, moi je l'aime bien. En résumé, je l'aime bien. J'y rejouerai pas, par contre, mais j'aime bien. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!